Claude Lelouch révèle pourquoi il n'a jamais tourné avec Alain Delon, je n'avais pas les moyens. Mercredi 13 novembre 2024, lors de son passage sur Canal+ dans l'émission En aparté, le réalisateur français Claude Lelouch a partagé les coulisses de son film Salaud, On t'aime, et a révélé pourquoi, malgré ses tentatives, il n'a jamais travaillé avec Alain Delon. Réalisateur emblématique du cinéma français avec 51 films à son actif, Claude Lelouch a su s'entourer des plus grands. Que ce soit Jean-Louis Trintignant dans Le célèbre Un homme et une femme, Lino Ventura dans La bonne année ou encore Johnny Hallyday, à qui il a offert le rôle principal dans Salaud, On t'aime, Claude Lelouch a marqué sa carrière de collaboration prestigieuse. Cependant, il n'a jamais tourné avec Alain Delon. Une absence remarquée dans la filmographie du cinéaste. Invité de l'émission En aparté le 13 novembre 2024, Claude Lelouch est revenu là-dessus. Le réalisateur a expliqué que pour le rôle de Jacques Kaminski dans Salaud, On t'aime, il avait d'abord pensé à Delon, mais le projet n'a pu se concrétiser pour une raison étonnante. J'avais pressenti Alain Delon, mais une fois de plus, on ne s'est pas mis d'accord sur des questions d'argent. Le destin choisit Johnny Hallyday. Claude Lelouch a en effet avoué qu'il n'avait pas les moyens de le payer. Si est-il le même problème qu'il a également empêché de collaborer avec Gérard Depardieu. Mais finalement, cette collaboration manquait s'est transformée en opportunité. J'appelle Delon pour lui dire qu'on ne va pas faire le film parce que, quand je fais un film, je ne pense pas à l'argent. Et deux secondes après, je reçois un coup de fil de Johnny qui me demande. Comment tu vas? Et je lui dis, bah écoute, tu vas aller très bien, parce que je vais te donner un rôle sublime. Convaincu que le hasard, à ce moment-là, a choisi Johnny, Claude Lelouch attribue cette rencontre aux imprévus de la vie, je suis pas assez savant pour faire les bons choix, donc le hasard m'aide à chaque fois.